Bonjour à tous, nous voilà de retour aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle recette. Aujourd'hui nous allons faire sauté de veau ou miotte de porc, on peut faire avec ça aussi, à la sauce champignon à ma façon, accompagnée de pommes nature. Nous allons vous présenter les ingrédients. Donc voilà les ingrédients. Donc comme je disais, le sauté de veau ou bien mignonnette de porc, soit l'un soit l'autre, on peut le faire avec ce qu'on veut. Alors, nos champignons, les champignons de Paris, plus ou moins 500 grammes. Alors, la crème fraîche nécessaire à la sauce. L'assaisonnement, donc sel, poivre. Du basilic. Du thym. De la ciboulette fraîche que j'ai encore gardée au frais pour l'instant parce que c'est de la ciboulette fraîche. Et alors, notre bouillon de poule aussi qu'il faudra pour notre sauce. Et alors, notre pomme nature en accompagnement. Épluchez vos pommes de terre. Et lavez-les. Ensuite, épluchez vos champignons. Nous allons couper nos pommes de terre et les faire cuire. Nous reviendrons sur nos champignons prochainement. Je préchauffe mon four à 120 degrés. Afin de pouvoir garder au chaud ma viande lorsqu'elle sera cuite pour préparer ma sauce. Mettre du beurre dans votre poêle et faire cuire votre viande. Et assaisonnez-la de poivre et de sel. Pendant que ma viande cuit, je découpe mes champignons. Je les réserve de côté et je nettoie mon plan de travail. Mes pommes de terre sont cuites, je vais enlever l'eau de cuisson. Ma viande est cuite, je la laisse au chaud dans mon four préchauffé tout à l'heure. J'ajoute mon bouillon de poule dans ma sauce de viande. J'introduis mes champignons. Et je vais maintenant les assaisonner de poivre, sel, de thym, surtout un peu de basilic. Vous pouvez également, bien sûr, mettre de la ciboulette fraîche, c'est excellent. Mes champignons ont mijoté pendant quelques minutes dans le jus, je peux maintenant ajouter ma crème fraîche. Ma sauce est prête, si elle n'est pas assez épaisse à votre goût, rajoutez un peu de maïzena. Je vais maintenant dresser mon assiette. Et bien voilà, la petite recette est terminée. Une petite recette très rapide, mais efficace. Alors, j'oublie de le dire, mais il ne faut pas hésiter d'accompagner chaque recette avec un petit verre de vin rouge, comme ici, bon ben voilà, c'est un cru bourgeois, on peut l'accompagner avec un bon vin de Bordeaux, ça se prête très bien, et voilà, ben faites-en de même chez vous, hein, je vous en prie, et alors n'oubliez pas surtout de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu. À bientôt pour notre recette.